ta 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 ta. Je remets ça plus joli. Voilà. Nintendo. Hop là. J'ai mis le challenge numéro 1 sur ton Discord aussi, au fait. Et bah, nickel! GG. Alors, on est sur la fin du jeu, les amis. Je pense qu'on en a pour une heure et demie à tout péter. Parce que il est relativement court quand même. Hein. Je vous laisse la cinématique pour l'ambiance, bien sûr. Allô? Ok, donc, si mes souvenirs sont exacts, on était tout en haut. Voilà, il y avait ces pièces-là à terminer. Ah oui, Diato, on a fait la. Bah, tu sais quoi, je vais te montrer. La pièce scellée, on l'a faite hier, du coup. Je peux te montrer maintenant que t'es là. Ça va pas être très long. Cette mèche du prof, je m'en remets toujours pas. Ouais, elle est folle cette mèche. Merci pour ton soutien, Arnaud. En tout cas, je suis grave heureux de vous faire partager mes morceaux en avant-première et tu me boostes de ouf pour les challenges. Mais avec plaisir, mec. Déjà, ça me fait plaisir de reprendre un peu contact avec toi. Et puis, je suis content que tu passes des bons moments ici. Et je suis content d'aider un peu à partager ce que tu fais parce que c'est très cool. J'ai vu le replay, mais je la connaissais. Ah, d'accord. Et t'as la fille à capturer dedans, d'ailleurs. La fille. Ah oui, le bébé. Attends, c'est. Non, c'est pas là. Non, c'est au deuxième étage. C'est vrai que t'as vu le replay. Maintenant, la pièce en question, c'est une salle au trésor. Merde, je suis con. Non, je dis de la merde. Ça m'a manqué de voir les têtes de mes foufous de saga. Quand j'ai vu ta story totalement par hasard, il y a presque un mois, j'étais tout fou de venir faire coucou, mais ça fait trop plaisir. T'as pas capturé le fantôme de la chambre scellée que tu déverrouilles avec la clé. Il y a des bouts ici. Est-ce que les bouts sont retournés dans leur pièce d'origine, ceux que j'ai pas capturés? Ah oui, c'est boomerang. Reviens! C'est marrant parce que tu t'appelles boomerang. Je me suis arrêté là hier, ok. Bah on va y retourner alors. Putain, ils sont chiants les bouts, hein. Oh là là, vas-y! T'es lourd! Ouais, retourne là-bas, c'est mieux. Je l'ai même pas touché, c'est fou. Je suis qu'un âme compositeur solitaire qui aime partager sa passion au monde. Je resterai toujours fidèle à ça. Partager sa musique, c'est la vie. Grave. Tout à fait d'accord avec ça. Moi, je crois qu'ils vont devenir copains avec Tojido. Les deux icos là. Tu veux bien rentrer dans l'aspirateur? Oh bâtard! Il va m'échapper à que dalle, c'est ça? Il est pas rentré? Si. Hop là!
Ouh! Quel enfer! Merde, il m'a dit des trucs sur un fantôme que je dois capturer, j'ai pas fait gaffe. J'ai hâte qu'il réinstalle son setup pour faire les challenges avec moi, tu m'étonnes. Vous allez kiffer. Fuck! Il me semblait l'avoir eu celui qu'il y avait là pourtant. Ah, ça va se partager des tips avec Togidax. Bouton, l'acné c'est hier, pas du tout. Bataille de composition, ça pourrait être cool, mais oui, carrément. Qu'est-ce que c'est lourd! Putain! Allez! Quel enfer! Je dois vous avouer que les boues me faisaient peur sur la Nintendo 64, je me confesse. Non, mais ça se tient, hein, ils sont flippants. Hein. Reste là. Mais non, reste de ce côté, espèce de tête de cul! Putain! Pourquoi ils leur ont mis autant de vie? On va les choper de toute façon. Tête de cul! Ça va vous? Passez un beau moment sur cet immense gameplay passionnant. Tête de cul, t'as ruiné mon enfance! Comment ça, j'en fais quelque chose de personnel? Un peu. Reste là! J'y suis presque. Yes! Faut que je piste tes streams en soirée la semaine pro d'ailleurs pour le challenge 3. Ah ouais, grave! L'artiste fantôme, j'en ai eu tout un tas de problèmes la première fois que je l'ai capturé. Je sais que les artistes veulent donner vie à leur toile, mais ce type crée des fantômes chaque fois qu'il prend un pinceau. Ah oui, c'est ça. Dans celui-là, quand tu les libères, quand tu fight Boulossus, et à la fin, ils font un peu flipper. Ouais, quand tu fight Boulossus, ça fait flipper. Ouais. Non, mais la fin, ça va, Holo, non, en vrai. C'est ok. Non, mais je suis déjà venu là. Il y a un truc que j'ai pas compris. Juste que je me souviens plus dans quelle pièce on s'est arrêté, mais. Mais oui, c'est la pièce scellée. Mais on l'a déjà vidée. La chambre au premier étage avec la fille dans son lit au plafond. Mais oui, ça je me souviens, mais oui, c'est à ça que je pensais. C'est au premier.
J'ai un doute. Oui, je sais que j'ai pas capturé la fille, mais ça avait pas de lien avec, avec la salle secrète, à part la clé qu'on a trouvée dans la salle secrète. J'ai refait le mastering du challenge 1, donc la version YouTube est encore plus propre que la version que vous avez écoutée en stream. Mais écoute, je la mettrai dans ma playlist, je pense, hein. Ah, c'est le seul lien, ok, on s'était pas compris, très bien. Attends. Oui. Oui, c'est là, hein. C'est ça. Ah, gourou, ne me réveillez pas. Partez. Non. Qu'est-ce que tu dis de beau? Je mouillerai pas le lit, c'est promis. Petite envie de pipi? Petite envie de pipi. La salle est inversée, mais oui! J'avoue que pour un jeune de l'époque, ce jeu pouvait donner son lot de frayeur. Oui, quand même, il était bien foutu. Hein. Le pipi! Ah, gros gros! Fallait pas faire pipi au lit, fallait pas faire pipi au lit. Fuck! On se moque pas des enfants qui font pipi au lit pourtant. Oh mon Dieu, mais comment vais-je faire pour récupérer ce coffre qui est au plafond? Je n'ai pas de solution. Ah! Oh mon Dieu, tout s'est retourné quand j'ai quitté la pièce. Je le savais, oui. La thune! Let's go. La grosse tunasse. Bonita. La jolie Bonita. Pourquoi Bonita? J'ai pas le jeu de mots, c'est juste parce que c'est une fille. C'est magique en fait, mais ouais. Parfait. Tu sais, comme un professionnel, continue. Papa. Un peu de thune, peut-être? Ah! Oh la thune! D'ailleurs, il me restait des plantes à arroser sur le balcon tout en haut. Si je me souviens bien. Bonita égale jolie en espagnol portugais. Ah! C'est donc ça. Bonita, du coup. Va falloir que je récupère de la vie à un moment donné. Celle-là, je les avais arrosées déjà.
ça aussi. Oh oui! Thank you. La thune! Merci. Hop là! Quel plaisir. Vilain. Ta-dan, 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 ta-dan. Putain, la salle des armures. Oh, quel hasard! Vous étiez donc dans un coffre? Oh merde! Ça marche pas. Il y en a un par armure? Ça va être long. Oh merde! Ça va aller, Luigi, t'inquiète. Y'en a pas un par armure. Merde! J'étais juste en dessous. Je sais pas pourquoi je sens que je vais crever à un moment donné. À moi! Mamma mia! Non mais. Hop. Petit dernier. Non. Oui, l'argent. La moula. Oui. Et hop là. Parfait. Oui. Rends-moi riche. Ok, le bout. Le bout du bout. C'est dans la cave, ça. Buffy, chasseur de vampires. Oh, Buffy contre les vampires, énorme. Super. Sors de là, Mario. Luigi. Luigi, pardon. Aïe. Il est parti. 2001. C'est vrai, c'était en 2001. C'est reparti. J'ai déjà vécu cette scène, dis donc. Buffy contre les vampires. Oh. Non. J'ai récupéré de la thune au passage, je sais pas comment j'ai fait. Yes! Nice.
Plus que 6. Mario. Ok, nickel. Ensuite. Mario. Il y en a un ici, mais... Ah, la thune. Oh oui! Please! Oh non, mon cœur. Et toi, avec la moustache? Ouais, toi. Qu'est-ce que tu penses de ma collecte de peau? Elle est trop bien, hein? Une sacrée collection. Bien, bien, bien. Je peux pas te les laisser voir gratuitement. Non, je crois pas. Si tu veux voir mes peaux, il faut d'abord me défier. Ça me va. Rip le cœur, ouais. C'est parti alors. Fais voir combien de fois tu peux me geler avec cette glace, gars. Si tu me gèles 7 fois, alors c'est gagné, pigé. Mais si tu perds, mon pote, tu prends la porte direct, ok? Tu tiens le bon bout. D'accord. Un. 2 3 4 5 6 7 Bonne partie, mon pote. Et les résultats sont... Tu m'as eu 7 fois. J'y crois pas, comment j'ai pu perdre? Pas possible! Tu m'as mis la honte, petit moustachu! T'aimerais peut-être finir dans un de ces pots? Non. Et toi, tu vas finir dans mon aspiro! Je me suis pris un pot dans le cul! Parfait. La moulaga! Ta-t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 a
Oh oui! J'ai bien fait d'insister. Ah! Bien, bien. J'aurais bien aimé un cœur en fait. Quelque part. Bon. Je sais où récupérer un cœur à Sémastoc, mais... Téléportation! On va aller récupérer un peu de vie, mesdames, messieurs. Rapidement. Il y en avait un plus proche de gros cœur. Ah ouais? C'est possible. Il y en a un dont je me rappelle régulièrement. C'est lui. Et après, les autres, j'oublie. Bon, du coup, on va à la cave. Il me semble. Si je dis pas de bêtises, le premier, c'est fait. Le deuxième, c'est fait. Le toit, c'est fait. Le rez-de-chaussée, c'est fait. Il reste plus que la cave. Mais à mon avis, j'ai dû oublier des bouts à des endroits. Faudra peut-être qu'on refasse les pièces. J'en connais trois, celui du bébé, dans le hall d'entrée et dans la salle des trophées de chasse au grenier. La salle des trophées de chasse? Je sais pas pourquoi je sentais qu'il y avait un bout ici. Probablement un que j'avais délogé la dernière fois et qui s'est réfugié dans une autre pièce. Bouffon! Super. Celle par laquelle tu passes pour aller au grenier. Ok. Ah là aussi, même délire, j'imagine. Ah non, c'est la salle qui rame. À cause des tas de poussière là. Boucher! Bah, il y en a un ici aussi. Désolé, ça va ramer pendant un petit temps. C'est agréable, hein? Comme c'est plaisant. C'est les particules de poussière qui font ça. Merde. Oh mais ça va aller, oui. Ah! Allô? Oh là là, j'en chie. Allez, reviens. Nickel. Toc toc. C'est bouffon. Reviens bouffon. J'ai pas ton temps. Oh non mais la poussière, sans déconner, vous allez réapparaître à chaque fois que je passe là-dedans. C'est si pénible.
foyer. Il s'est replanqué. Reste là! Retrouver Arnaud dans l'émission C'est du propre sur M6, tout à fait. Retrouvez-moi. Sortez-moi de là, surtout. J'ai trouvé une strat. Salle du Toyo. J'avais pas vu le nom de la salle, c'est rigolo. Non, oui. Nickel. J'ai une information spéciale. Comme tu fais le ménage dans la maison, tu ne pourrais pas t'occuper des plantes. Tu sais ce qu'elles aiment, non? Oui, ça je sais. Il y a de la thune quand on les arrose. Merci, Olone. Et là, du coup, il y a le bout de la pièce. 300 ébouriffés, bordel. Putain, les derniers, ils sont pénibles, hein. Les derniers, ils sont relous, hein. Putain. Merde, il est encore là? Non, c'est bon. Il a changé de crèmerie. La salle poussière, c'est un enfer, ouais. Ça ramait pas comme ça dans le jeu de base, hein, bien sûr. C'est parce qu'on est sur un émulateur, mais... En même temps, on va trouver 50 jeux de mots avec Boo. Bah ouais, j'avoue, les gens, à la fin, ils étaient saoulés, du coup, ils leur mettaient 300 points de vie. Reste là, bordel! Arrête de te barrer! Laisse-moi t'aspirer le cul! Le cul! Le cul! Fuck. Aspire! Désolé, ça bipait, ça me saoulait. Voilà, dans cette pièce-là, je veux bien, pas de soucis. Merde. Allez, viens là! C'est mon dernier mot! Hop là! Yes! Le tigre se glisse derrière sa proie et lui saute dessus. Oui. Tout à fait, monsieur. Ah, je suis trop malin. Plus que 3, ouais. Et je pense qu'ils sont tous en bas, normalement. À moins que j'en ai oublié un quelque part. Il y en a au moins 2 dans la salle qui reste. Et l'autre, je sais pas où il est. Le dernier, je sais pas où il est. Il y a peut-être une pièce que j'ai zappée quelque part. Il est pas dans la pièce du fond parce que c'est la pièce du boss final. Dans la seule autre salle que t'as pas visitée. Il y en a une autre que j'ai pas visitée. Dans le grenier? Il y a une autre salle que j'ai pas visitée dans le grenier? Ah bon? Ah oui! C'est vrai, il reste une salle là-haut. Ok, bah je suis pas inquiet alors. Ça glisse. C'est le Père Noël!
Chaud, très chaud, toi! C'est trop chaud! Oh non, il y a des particules partout, ça va faire laguer. Je vais cuire dans cette chaleur, je fonds. C'est toi qui as allumé ces feux? T'as quoi dans la tête, tête de cul? Les gars qui allument des feux dans ce manoir devraient être prêts à en payer le prix. Maintenant, apprends ta leçon. Voilà. Je vais attraper la clé de la salle en glissant, c'est drôle, tu veux essayer? Je vais essayer. Pourquoi ça fond pas? Faut que je fasse quoi? Ah, il y a l'aide! Ça marche pas. Ah, j'ai réussi! C'était bien ça! Il y avait juste pas trop de feedback. J'ai plus beaucoup de vie. Merde. Ouh! Il reste vraiment plus beaucoup de vie là. Attends, j'essaye. Je suis sorti du cadre, quel plaisir! Ah, la pièce de tout en haut. C'était donc ça. Boucher, celui de tout à l'heure, reviens! Bonsoir, stupide enfant. Comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. Oh mon dieu. Petit effet stylé, mais ouais, de ouf. Glisser pour choper la clé, c'est un plaisir. Hop là. Ouh. Ça va super. Ça va super ici, bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas passer une bonne soirée. Zwip. On est sur la fin du jeu, hein. Je le rappelle. Il nous reste deux pièces, une pièce à faire et le boss final en vrai. Oui, SVP, soigne-moi. Allez. Merci. Ma journée commence, du coup je te pose plus la question à toi. Bah écoute, plutôt pas mal ici, hein. Plutôt pas mal. Ta journée commence. C'est le travail qui veut ça ou c'est la vie c'est la vie. Boulder Dash, énorme. C'est une ref à des jeux vidéo. Reviens, tête de cul. J'ai pas ton temps, mon gars. Fuck. J'ai pas la ref. C'était un jeu de Super NES, Boulder Dash, je crois. Je sais plus de quelle console c'était, mais c'était un vieux jeu. C'est le fait qu'il soit 9h50 du matin chez moi. Ah! C'est le Québec, c'est ça? Je sais pas. Peut-être. Eh ben, bon réveil à toi. En bonne compagnie.
Petit stream jeu d'horreur dès le matin, quel plaisir. Jeu d'horreur mignon. Hein. L'opposé total du Québec. Attends, c'est quoi l'opposé total du Québec? C'est l'Asie, j'imagine. Ouais, quel endroit? Il est 10h du mat, là. Tokyo? Tokyo possible, hein. Je me rends pas compte. Je suis nul en fuseau horaire. En dessous du Japon. Et que fais-tu là-bas si c'est pas indiscret? Australie, ça se tient. C'est en dessous du Japon, techniquement. Nouvelle-Zélande? Révisons la géographie avec Olona. Bingo! Nouvelle-Zélande, let's go! Qu'est-ce que tu fais de beau en Nouvelle-Zélande? C'est les vacances, c'est là-bas où tu travailles, où t'habites. Ça, ça fait du bien. Stylé, Nouvelle-Zélande. Hein. J'habite là-bas, trop cool. Depuis toujours. Je suis peut-être indiscret, hein, faut me dire. Aucune obligation d'y répondre, bien sûr. Ah oui, le peintre. Vous bridez mon inspiration. J'ai pas vu la suite. Depuis 4 ans. Qu'est-ce qui t'a décidé à bouger? Vilain béotien, vous êtes aveugle à la beauté de la vie que je crée. Je vais vous montrer l'apogée de mon art, le summum. D'accord. Montre-moi le summum, mon pote. Ceux qui sont dans la creuse vont être jaloux, j'avoue. On les embrasse, hein, malgré tout. Hop là. Je récupère de la vie. Le summum. Dommage. Zwip. Allez, au bûcher. Il est stylé ce boss. Je crois que c'est mon préféré. C'est vraiment récap de tout ce que t'as fait dans le jeu, j'aime bien. Allez, les trois d'un coup peut-être? Évidemment que non. Ça aurait été si stylé sinon. Longue histoire, je suivais à l'époque mon ex-compagnon qui faisait des études de commerce international. On s'est séparé en Nouvelle-Zélande et je suis resté vivre là-bas car mon métier commençait à bondir. Trop cool. Merde. C'est cool que tu sois resté pour de bonnes raisons. Ouais. J'espère qu'aujourd'hui t'es épanoui. Que ça se passe comme tu veux. J'imagine que ça doit pas être facile. T'es français, française à la base? Alors peut-être. Oh la triplette! Quel plaisir! Française à la base, d'accord. Du coup, ça va d'être aussi loin. C'est pas trop compliqué. J'imagine que t'as peut-être encore de la famille en France ou ce genre de choses. Merde! C'est la tranquillité. Ça se tient. La doublette?
La doublette. Hop là. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ouais, je me bloque le dos, ouais. Oh putain. Non, en vrai, je travaille dans le jeu vidéo, je suis game designer. Et streamer à mes heures perdues. Putain, vous faites chier, allez! Vous êtes les pires ennemis, tout le monde vous déteste. J'ai tout bouffé! Trop intéressant comme parcours. Et réalisateur de saga MP3 dans mon temps libre aussi, oui. Mes créations! Mais même si je trépasse, mon œuvre me survivra! L'art est ainsi fait, l'art est éternel! Vous dites qu'une seule de mes créations a survécu? Mais cela ne peut être! L'artiste est blessé! Ah, Boubou, il est blessé. Bah alors, Bébou, on est blessé? Allez, viens par là, mon pote. On rentre à la maison, t'es le dernier! T'es le dernier! Viens voir Papounet! Viens là! Fuck! Il lui reste 3 pauvres PV à ce connard! Hop là! Ça s'appelle bien de se bloquer le dos? Pas ouf! En vrai, pas ouf, hein! C'est pas super plaisant! Oh, la clé du boss! Oh, la clé du boss! Ce boss, c'est vraiment pas le plus dur, mais le personnage est marrant, mais grave! Le boss est stylé, j'aime bien, moi! Et le dernier bout est dans cette pièce, bien sûr! Il a raison, il aurait une retraite au moins. Je vais écourter ma carrière à grands coups de limbago, ouais. 300, bien sûr. C'est boutique! Reste dans le coin, mon pote. Allez, t'es le dernier. Faut lâcher l'affaire à un moment. Faut lâcher l'affaire. Vous êtes fini. Il reste plus que toi. Il reste plus que toi dans tout le manoir, mon pote. Lâche l'affaire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire, je te dis. C'est fini pour toi. C'est fou. Mais c'est pas possible, Michel. Fais un effort. Allez. C'est Luigi's Mansion 1, celui-ci. Le tout premier sorti sur GameCube en 2001. Un jeu de mon enfance. On s'éclate, hein. Vraiment, c'est un plaisir, c'est beau. Putain, mais il est méga chiant! Allez, mon gars. Allez, plus que 100. Allez. Mais allez, vilain! Il était si beau que ça le premier? Alors non. Parce que du coup, je suis sur émulateur. L'émulateur s'appelle Dolphin. Et Dolphin permet d'appliquer un filtre HD 4K sur les jeux de GameCube et de Wii. Donc non, il n'était pas si beau que ça à l'origine. À la limite, si vous voulez, je vous montrerai des images d'origine du truc. C'est un petit peu plus polygonal quand même, faut pas déconner. Allez, c'est le dernier coup, on va l'avoir. Zwip! Oh oui, la tunasse! J'ai une information spéciale, comme tu fais le ménage à la maison, tu pourrais pas t'occuper de... On s'en fout. Les modèles sont plus lisses que sur la vraie console, par contre les textures changent et sont pixelisées, oui c'est ça. Bah tricheur, c'est vrai, c'est vrai. Je suis un tricheur, mais je me dis c'est mieux pour la qualité du stream en vrai. Si c'était que pour moi, à la limite, peut-être que j'en aurais rien à foutre. Mais pour le stream, je trouve ça plus sympa d'avoir des beaux graphismes pour les gens. C'est plus joli. C'est plus agréable à regarder en tout cas. Surtout que les gens aujourd'hui sont vachement, vachement habitués à des jeux très très beaux. Donc je me dis bon. Oui, sinon ça change rien au jeu. Ça change rien du tout.
Et ben on a tous les bouts, les amis. On a tout. On n'a plus qu'à terminer le jeu. Hein. On n'a plus qu'à aller se taper le boss final. J'espère que vous êtes prêts. Quand je joue à Kirby, jamais tu me changes les graphismes. Ah bah après c'est chacun son délire. Hein. Moi j'aime bien les graphismes lissés pour le stream. Je trouve ça plus agréable. Mais en vrai je comprends. Je comprends complètement. Et tous les jeux de GameCube qu'on a fait sur la chaîne, on les a lissés. Hein. Sur Dolphin. Ceux qu'on a fait sur Dolphin en tout cas, parce qu'il y en a qu'on a fait sur Switch, parce qu'ils étaient sortis. Bon, ceux-là, ils ont fatalement reçu un traitement. Genre Mario 64, qui n'est pas du tout sur GameCube, du coup. On parle de Kirby, ouais, c'est vrai. C'est parti pour la terreur, mesdames, messieurs. La giga-terreur, on va sauver Mario. Toc, toc. Qui est là? C'est la petite Charlotte. Oh, il y a un Bowser sur la poignée. En 2D, il n'y a aucun fil qui peut aider en effet. Tu es seul, Roi Bou. C'est toi et moi maintenant. Rends-moi mon frère! Je pourrais regarder Mario en peinture pendant des heures. C'est vrai ce qu'on dit de l'art. Il faut une sensibilité exacerbée pour pleinement l'apprécier. Te voir réclamer de l'aide, cher Mario, est tellement agréable. Ça me repose. Tu m'as causé tellement de soucis à une certaine époque. Non mais franchement, qui pourrait croire qu'on fait gagner des manoirs dans des concours? Faut vraiment être stupide. Vous avez tous le même défaut dans la famille, vous êtes si naïf. Ton frère a fait tout ce chemin juste pour être changé en tableau, c'est trop fort. Cependant, ce tableau de Mario semble bien seul. Il me faudrait un tableau de Luigi pour compléter ma collection. Je ne te crains pas, crétin, je ne crains que l'Ectoblast 3000 que tu portes sur le dos, machine stupide. Mais je suis le roi des bouts, et je ne m'abaisserai pas devant toi, un appareil électroménager. Je dois dire que je méprise la façon dont tu as slurp, 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 aspiré mes amis. Ne crois pas que je vais fuir, je vais me battre comme un bout. Rejoins donc ton frère, dans le tableau. Je vais un roi bout avec cette voix dans Gensio. Let's go. OMG, c'est Bowser. Au secours! On est sur le toit! Ah, grou grou! Salut Xarluc! Bienvenue pour les boss final! Qui est le même que dans Mario 64. Un peu plus lisse. Non, il est pas... c'est pas du tout le même en vrai, je dis n'importe quoi. Il est vachement plus moche dans Mario 64. T'arrives au boss final. Qui, j'espère, ne va pas trop laguer à cause des flammes. Let's go, Mag. Bonjour. Comment ça va? Oh putain. Ah, il m'a mangé le cul. À l'aide. Oh, au point où j'en suis, Diato. Ça va aller. Le boss est dur. Non, ça va. Franchement, ça va. Sauf si je fais de la merde comme ça. Hé, hey, Bowser! Fuck. Prête à roupiller à te voir vaincre le roi des bouts. C'est maintenant. Non mais si tu te mets sur les bombes aussi, tête de cul. Ah! J'ai flex en disant que c'était pas dur, n'est-ce pas? Ah, grou grou le méchant!
fais n'importe quoi. Mais... c'est un peu désagréable, là, j'avoue. Il balance des Ferrero Rocher. Je vais les bouffer, ouais. Mais il baisse jamais la tête quand il faut, ça me tue. Je viens de dîner, j'ai une vidéo. Une vidéo de quoi, des Ferrero Rocher? C'est bon! J'ai plus que 30 points de vie, mais tout va bien. 500, bah oui, rien que ça. Non! Je lui ai fait rien du tout. Il faut que je récupère de la vie d'une manière ou d'une autre. Merci, stupide enfant, c'est gentil. J'y crois aussi. Peut-être au deuxième try, éventuellement, parce que là, c'est chaud. Il faut casser les piliers, monsieur. En plus, la caméra est dégueulasse. Quoi ? J'ai pas compris. Très bien. Ok. C'était le trail de chauffe, tout va bien. Tais-toi, Diato. Tout va bien. Ça va le faire. Ah bah super. C'est aise. Ah oui, on peut mettre du rouge, c'est vrai. Full rouge. Est-ce que c'est un peu trop rouge? C'est peut-être un peu trop rouge, attendez. C'est un tout petit peu trop rouge, ne serait-ce que pour mon visage. Voilà, comme ça c'est bien. Trop de flex, bah ouais, classique, hein. J'ai flex. Faut que je fasse gaffe à ces patterns surtout. Sinon ça va le faire. Je vais baisser l'intensité quand même un peu. Comme ça on profite un peu du rouge en fond. Ambiance ténébreuse. Allez, viens la bolos. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Quand il boit Contrex, il se sent mieux, il commence à flex sur tout le jeu. Ça rime, putain. Ah, gros gros. Grosse inspiration ce soir, je sais pas d'où ça sort. C'est la fatigue. Gros gros Bowser. Ça rame à balle.
Ah putain! Barre-toi avec ta tête, toi. Pas mal. C'était un bon premier jet. Aïe. C'est pas grave. Fuck. Que faire dans une telle situation? Prévenir les autorités compétentes, tenter une approche furtive ou et attaquer le bestiau? Fuir, vous avez une heure. Moi j'attaque le bestiau, moi. J'ai pour peur. Putain, à chaque fois je me fais avoir, c'est pas grave. Ah le con! Oh putain! Vas-y, pète des piliers, donne-moi un cœur! Oh, il a servi à rien! Pourquoi j'ai une pub en plein plein boss? C'est Twitch! J'y peux rien! Je me suis pas fait avoir! Allez, t'es à moi, mon grand. T'es à moi. À moi. Let's go. Let's go. Voilà, il fallait la game de chauffe. À moi. Oh, Mario, bébou. Pourquoi il nous fait l'exorciste à retourner sa tête? Les déplacements de Bowser me font mourir de rire, on dirait ma mamie qui marche en mode attention, oula, attention. C'est glauque en vrai, un peu. Désolé, cette chanson pop dans la tête à chaque fois que je lis trahison ou disgrâce. Ouais, comme nous tous. Merci pour les GG. Luigi! Luigi, tu as réussi, vraiment remarquable, fiston. Je t'ai peut-être fourni ce superbe Ectoblast 3000, mais c'est toi qui as tout fait. Je suis tellement fier de toi. Alors, reprends-toi, Tastrophe. Hein, tu as trouvé le roi Boo. Tu dis qu'il a plongé dans un tableau de Bowser et il t'a même craché du feu. C'est la première fois que j'entends une histoire aussi incroyable. Et pourtant, j'ai 60 ans de métier, mine de rien. Je me rappelle encore que je tremblais à la simple pensée d'un fantôme. J'étais jeune. Je pouvais rester enfermé à étudier tel ou tel fantôme pendant des semaines. Wouah, Xarluc qui offre 5 subs, merci beaucoup. Merci pour Denis, pour Alex, pour Manon, pour Zel Cherry et pour Jbenosaurus. Merci beaucoup. Trop gentil. Je me perds dans mes souvenirs. Bref, récupère le tableau de ton frère et ramène-le au labo. Trop gentil, Xarluc, merci. Les 5 subs, quoi. Le pauvre petit gars s'est endormi. Il a dû s'effondrer de fatigue et de soulagement en te voyant arriver. Je vais configurer la machine pour qu'elle ramène ton frère. Je vous attends tous les deux. Allez, ça part. Merci pour la thune. Yes! Oh, j'ai eu des petits frissons. Tu vas en attraper une migraine. Toute cette aventure n'aura duré qu'une nuit. Bravo, Luigi. Le manoir construit par Cebu a disparu cette nuit. Mais le trésor semble bien réel. Si il ne t'intéresse pas, tu peux le garder et en faire ce que bon te semble. Il ne m'intéresse pas. Quoi? Assez parlé d'argent? Tu as raison. Occupons-nous donc de trouver ton frère, plutôt. La priorité est bien sûr de sauver ton frère, mais nous devons d'abord éliminer ces fantômes. Le fail et Mario devient violet, ce serait fou. Voilà, je t'aime. Oh, c'est beau. À peine rencontré, les gens s'aiment. Vous êtes Mims. Ha, c'est Bowser et Boo, c'est marrant. Pim, 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 pim. Bowser et Roi Boo. Le génie de la lampe.
L'enfant qui dort. L'enfant pipi même. Le peintre. Le tonton caché. Les trois marionnettes. Et le Père Noël. Je parie des euros contre des gâteaux. Oh, il y avait déjà les euros à l'époque. Que personne n'a d'aussi joli tableau que moi. Grave. Oncle Grimly. Jarvis. Est-ce qu'il est dans une jarre? Vincent Van Gogh. Suzette. Soldat mécanique. Sir Weston. Le roi Bou. C'est 2001 l'euro. Bah ouais, ils sont à l'heure. Hein. C'est pour sceller notre amour, vous êtes trop mimes. Ça fonctionne comment le marathon avec les points de chaîne? Alors en gros, vous avez trois choix de licence que je vais faire en marathon, c'est-à-dire faire tous les jeux de la licence, soit Kingdom Hearts, soit The Witcher, soit God of War, et vous avez jusqu'à la fin du mois pour voter pour celui que vous préférez. Donc vous mettez des points de chaîne dedans pour choisir celui que vous voulez, et à la fin du mois, celui qui aura le plus de points de chaîne, ou alors le premier dont le défi sera terminé, sera sélectionné, et début novembre, on fera le marathon. On attaquera le marathon. Sachant que pour le moment, Kingdom Hearts est largement en tête. Donc si vous voulez autre chose, il faut y aller. Merci pour le marathon. Je suis pas femme à diamant, offre-moi plutôt un bucket, je serais mille fois plus heureuse. Oh, la bouffe. Moi, j'ai une question pour un follow. Dis-moi. Dis-moi. Tintin, tintin, tintin. Tintin, 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 tintin. 23 fantômes. Je les ai tous, hein. Il y a un copain de type ronron ou ouf ouf ici. Ouais, il y a lui. C'est Arnoux le raton laveur. Ça compte ou pas? De rien, Xarluc. Ça a marché! Merci! Merci pour le follow! Bravo à toi! C'est bien agréable! Et on a un Arnoux qui a été claqué! Bonjour! Il est mignon, hein? Il est mignon, c'est la mascotte de la chaîne! Regardez, il a même des émotes à son effigie. Et vu qu'il y a un Arnoux, il va rester là jusqu'à la fin du live. Hop là. Trop mimes. C'est Arnoux. Il est mignon, Arnoux. Oh, la thune, allez, c'est parti. Il est tout mignon. Bam 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 bam. Dun 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 dun. Dun. Bam 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 bam. Il y a un truc que j'ai jamais obtenu. What? C'est peut-être dispo qu'en New Game Plus. Et oui, j'ai débloqué le New Game Plus du coup. Bébou! C'est pas vraiment prévu pour aller dans l'autre sens, hein. Bébou! C'est un peu émouvant. Il chiale de content. C'est pas la gemme de la grosse fleur qui te manque? Oh, j'y ai pas pensé. C'est possible. Oh, les musiques, bravo! Quel jeu incroyable!
Bravo le jeu! J'adore ce jeu, il est trop bien! Il est trop trop cool ce jeu! Bon, il est rapide, hein, on l'aura torché vite. Hein. Alexa, tu peux applaudir? Je sais pas si vous l'avez bien entendu, mais elle a applaudi fort. Bravo le jeu. Un poil lent à démarrer. Il y a des petits claps au début, tout simple, mais... Merci pour le live d'hier encore, j'ai pleuré de rire. T'entends, Alexa? Les gens te remercient. Alexa? Merci à toi. Ça me fait plaisir de sauver. Elle est bien agréable, elle est bien urbaine. Hey, Luigi. Et les musiques sont stylées, hein. Si tu aurais cette fonctionnalité, je vais la faire à mes parents, dis donc. C'est rigolo. Moi, je ne sais pas quelle sera la prochaine Rigouspective, les amis. Il faudrait que je retrouve ma liste, mais je ne sais pas où elle est. Parce que du coup, ça aurait fait 2 jours. Hein. Ça aurait fait que 2 jours. Les meilleures musiques sont celles de Yoshi's Story. Ah, il y en a plein des bonnes musiques. Hein. Il y en a vraiment plein. Où est-ce que j'ai pu mettre cette liste? Je l'avais laissée sur mon bureau pour pas la perdre, justement. Mais je la retrouve pas. J'ai dû la ranger quelque part. Et pas m'en souvenir. Bienvenue dans le nouveau manoir de Luigi que j'ai acheté avec la grosse thune que j'ai récoltée. Grade D. D? 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 Quoi? Je suis pauvre, mais j'ai récupéré toute la thune que je pouvais, what the fuck? Hein? N'hésite pas à le faire sur ta chaîne, ce jeu est top. Et bah écoute, pourquoi pas? Et j'ai même pas speedrun en plus. D comme décevant, mais ouais, de ouf. Je vais aller à la galerie quand même. Et on peut aller au manoir caché qui est le même manoir mais en sens inverse. Comment ça, D? En vrai, si on refait le jeu, on peut faire mieux. À mon avis, tu gagnes plus de thunes. Attendez. Tu gagnes probablement plus de thunes en New Game Plus, mais bon. Ah, je peux même pas les lire! Ils considèrent que je les ai pas chopés, du coup. Ça, c'est Nana. Elle fait flipper. La voyante. Forfait. Je sais pas si c'est très intéressant. En vrai, j'y ai pensé, mais le New Game Plus, c'est vraiment le même jeu, mais dans un manoir inversé, quoi. En un peu plus dur. J'ai rushé le jeu, je voulais dire. Bah, en fait, pas tant, hein. Il a pas une giga durée de vie. C'est basé sur le yen, il faut diviser par 100 pour avoir un équivalent en euros à l'époque. Ouais, ouais, je sais bien. Ils sont mimes, ça. Aldo, les biscottos, là. Les gros mucles. Lui, il est pas bien. C'est Madame Cochon. Madame Cochon? Mais non, mais... Au lit, tout le monde. Ouais, il va falloir aller se reposer, là. Je vais aller reposer mon dos meurtri, déjà. Oh, bébé! C'est Suzette. Ça, c'est les jumeaux maléfiques. Joe l'arnaque. Le Père Noël.
Boulossus. Le peintre. Et enfin... C'est de con, là. Stylé, quand même. Bah ouais, mon dos, ouais. Après, le manoir final descend jusqu'à rang H. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Je peux regarder la tête des manoirs des autres rangs. Je vais me doter, moi, les petites douceurs, trop mimes. Belle nuit à toutes et tous, bon dimanche pour demain, et puis on se revoit bientôt. Et bah écoutez, on se revoit... Je ne sais pas si ce sera demain, ça dépendra de l'état de mon dorsal. Mais sinon, oui, grave. Alors, attends. Ça quitte. Bouge pas, Diato. Tu veux une prise de catch pour te débloquer le dos? Peut-être ça marche, hein. En vrai, peut-être ça marche. Ouais, j'accepte. Waouh! Ah oui, c'est pas la même chose. Rang S, mais c'est dans le 3DS. Rang A. Oh, mais il faut le triple. In the GameCube version, the A rank appeared. Ça, c'est le rang A, ça. Et oui, c'est pas la même merde que ma petite maison nulle. Ça, c'est le rang B. C'est pas mal aussi. Rang B, c'est 70 000. 60 000 pour le rang C. Enfin, 60 millions, pardon. 50 millions pour le rang D. Bon, ce qu'on a eu, la petite maison à la con. Après, t'as rang E. 40 000 lions. C'est vraiment une bicoque. Et rang H. C'est un appart à Paris, quoi. Faut farmer. Mais ouais, mais quand t'as récupéré la thune, dans une pièce, il n'y en a plus, quoi. Oh, il y a un rangé, quand même. Faut vraiment s'en battre la race de la thune, hein. Rang H, c'est une tente. Qui s'est démerdé pour avoir moins de 5000? Qui? Moi, je signale à Twitch que tu fumes en live. Ah, tu peux, hein. Tu peux, je suis pas le seul à vaper. Tu peux. Ben mince alors. La cata. Bon. Il va être temps d'aller faire dodo.